Le chiffre 3. On va pas s'éterniser, aujourd'hui on fait un tuto expérimental, c'est-à-dire qu'on a envie de faire un maquillage d'Halloween, on a acheté des lentilles et tout pour l'occasion, et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo où on va se maquiller pour Halloween, on sait pas encore en quoi on va se maquiller, du coup bah on va expérimenter en direct. Et on s'entraîne en fait pour Halloween. Voilà, donc on a aucune idée de comment ça va tourner cette vidéo, mais vous allez le voir dans quelques minutes. Et nous aussi d'ailleurs. Je peux refaire ma choupinette que vous avez déjà vue dans la dernière vidéo avec Sarah. Là c'est Justin Bieber comme elle en arrière ma choupinette. Moi je vais commencer par quoi? Par les sourcils. Ils vont disparaître. Ah bon? Alors j'ai envie de me faire des sourcils un peu plus hauts, donc je vais les coller quoi. Putain, première fois que je mets un fond de teint de ma vie. Arrive. Alors je colle mes sourcils. J'aime oh pas, my god. Oh my god, je mets de la colle sur mes sourcils. Je crois qu'il faut les coller vers le haut. C'est vraiment expérimentation parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Moi j'essaie de me blanchir parce qu'en fait je pense que je vais faire un squelette. Moi j'ai envie de faire un genre d'infecté. Je crois que j'ai fini mon maquillage d'Halloween. Fais disparaître mon sourcil. Mais moi je sais pas comment on met du fond. Pas très courant, comme ça. À la base, en fait, on voulait acheter une crème blanche, là, vous savez, pour les maquillages. Genre une peinture de visage. Ouais, une peinture de visage. On a trouvé ça nulle part. C'était parce qu'il est... Ah oui, parce que, attendez, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, mais on filme cette vidéo le 29 septembre. On est même pas en octobre. Mais Halloween, c'est trop bien, les gars. Franchement, si j'arrive à faire disparaître mes sourcils, je suis une bosse parce que j'ai jamais réussi. Est-ce que je suis blanche? Oui. Ah oui, j'avais oublié, faut que je fasse disparaître ma bouche. Oh non, c'est moins blanc, merde. C'est triste parce que sur moi c'est pas blanc, c'est la couleur de peau. J'espère que je vais être blanche, hein. Sinon ça va pas marcher. Les gens voient plus trop ma bouche. Mais non, quoi? Ça me bronze. Ça va, ils ont un peu disparu. Non. On les voit, mais ils ont un peu disparu. Je les vois. Je vous dirais que je suis malade, ça y est, mon truc il est réussi. Toi tu te blanchis aussi? Moi je peux pas me blanchir. J'ai essayé mais c'est ma couleur de peau. Bon alors moi j'ai fait juste cachage de sourcils. Je vais pas vous dire comment j'ai fait parce que j'ai fait n'importe quoi. Hein. On voit encore mes sourcils. Mais bon. Et ensuite j'ai fait fond de teint et correcteur. Donc pour l'instant il n'y a rien de oufissime. Moi non plus, là pour l'instant je me blanchis. Pour avoir une base squelettique quoi. Alors je vais faire mes sourcils avec un cabro que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, même si je vous recommande pas les tutos. Oh mais j'aurais dû mettre de la farine. Donc je fais mes sourcils pas en suivant mes sourcils naturels parce que sinon ça sert à rien de les avoir cachés. Essayez de les cacher. Oui. En vrai c'est ça la vraie forme de sourcils que je veux. Voilà. Vous vous rendez compte qu'au 16e siècle ils voulaient avoir la peau comme ça? Là j'ai juste fait mon kiff de sourcils, mais il a rien à faire dans ce maquillage. Là, de plus près, t'es blanche. Ouais, de près c'est horrible. C'est l'histoire d'une fille qui tourne une vidéo Halloween et qui a décidé de changer la forme de ses sourcils après. Moi ce que je vais faire c'est que j'avais vu un tuto comme ça sur Instagram. En fait quand vous faites un maquillage Halloween, tu peux expliquer à tes youtubeurs. T'es en train de poser avec mes sourcils. Donc j'explique quoi à mes youtubeurs? Que... À chaque fois qu'on fait une vidéo, tu les appelles mes youtubeurs alors. Vous êtes mes youtubeurs. D'Halloween. Ouais. C'est pas précis. C'est cake. Genre vous avez compris. C'est genre t'as pas besoin... Là, je vais faire mon creux de paupière, mais j'ai pas besoin qu'il soit super droit. Ah ouais, oui, ouais. C'est un peu à l'arrache. En fait là, c'est pour montrer que je suis fatiguée. Moi je dois me faire des coca, alors je sais pas pourquoi j'ai mis du correcteur en fait. Bah moi ça va être ça aussi un peu. Vous allez voir à quel point je suis bourrin avec mes maquillages d'Halloween. C'est à dire que là je vais prendre du noir et je vais le mettre là. Non c'est mieux avec un fard à paupières. T'inquiète, je fais ça tout le temps. On dirait que j'ai des patchs. On dirait que j'ai des patchs pour les yeux. Pour les yeux. On dirait que j'ai des patchs pour les yeux. Alors là je vais assombrir mon œil, mais après oui, je vais faire il faut rouge. Faire vraiment genre... On se coupe pas la parole. Oh, bon j'arrête. Oh.
Je vais pas vous mentir, je vais mettre un peu de noir partout et après on va mettre un peu de rouge partout parce que en fait je pense que je vais faire un genre d'infecté et je vais faire genre je me suis fait mordre. Là, on dirait qu'elle fait un truc artistique pour l'instant. Ah non, en fait de près pas du tout. Est-ce qu'on dirait que je suis un peu pas bien genre? On dirait que je me suis pris une grosse pêche dans la tronche. Non. Bonjour, je suis un manga. Ouais. On dirait que je vais faire du rock. On dirait qu'on a la sortie mais qu'on a pas mis la même couleur. Dans le noir. Moi, t'as mis quelle couleur? Love Letter? Vegetarian Red là? T'as mis quoi? J'en ai mis Real Girl. Est-ce que c'est un rouge simple? Ouais, là je suis bien malade. Moi j'avais besoin d'un rouge violacé en fait. Bon alors le but c'est d'avoir l'air malade parce que je suis infectée. Je réexplique un peu parce qu'en fait c'est un peu un tuto expérimental mais j'explique rien depuis tout à l'heure. Ouais moi non plus, c'est moi un peu. Alors, j'ai pris mon col comme vous avez pu le constater, j'en ai mis un peu là, un peu au-dessus de mes yeux, non, sur mes cernes, sur mes yeux. J'ai fait le creux de mes joues comme un contouring mais noir et ensuite j'ai estompé au doigt. En fait je fais un peu tout au doigt vous allez voir. Parce que vu que c'est un peu du bourrin comme tu l'as dit tout à l'heure, et ben le doigt ça fait bien bourrin. De toute façon c'est Halloween, c'est pas le festival, c'est pas la Fashion Week. C'est aussi la Fashion Week. Voilà, et là je fais ça parce que... Est-ce que j'ai envie? Oh, désolée mais le tuto make-up c'est pas fait pour moi. La gueule qui est en retour caméra. Ouais je sais. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi un peu de rouge sur mon front au-dessus. Donc voilà, là ça fait un genre de contouring mais rouge. Et en fait vous verrez après que ça va faire un fond de couleur. Ça va pas du tout être le make-up en soi. Je suis malade donc je vais faire un nez un peu rouge. Bah c'est vrai. Tout ça, ça a commencé avec un rhume. Parfois on a des rhumes et on sait pas qu'on va devenir un zombie. Là je ressemble à un panda. Je vais mettre du fond de teint sur ma bouche. Donc je vais le faire. Oh c'est dégueulasse. Mais ma bouche elle a disparu dans la vidéo, c'est ouf. En fait on dirait un déguisement de citrouille. Ressemble à quoi? Un panda encore. Faut être sale. Quand c'est Halloween, il faut être sale. C'est vrai, en soi. On n'a pas envie de faire un tuto de youtubeuse qui fait le make-up beau. On a envie de faire peur. Ouais. Donc là, j'ai fait mes yeux de façon à ce que ça soit un petit peu infecté. Donc j'ai mis du rouge pour faire ressortir un peu le sang. Enfin, je sais pas, c'est rouge. Et du noir, genre squelette un peu, tu vois. Donc là, je vais me faire un contouring squelettique. Moi, avec le reste de fard noir, je me fais des espèces de rides ici, là. Parce que le but, c'est d'avoir l'air le plus fatigué possible. Moi, le but, c'est d'être le plus squelettique possible. Donc, j'ai pris un marron foncé. Enfin, après, je vais mettre un peu de rouge pour faire machin. Et un peu, peut-être un peu de noir. Hop, on met un petit peu de rouge pour faire bien. Moi, je vais commencer les veines. C'est ça qui fait la plus grande partie du maquillage. C'est un pinceau hyper fin et il y a un peu de rouge dessus. Je vais pas vous mentir, ça restait dessus. Sauf que mes veines, je les mixe entre le rouge et le noir, donc ça va pas tout ruiner. Alors les veines, c'est pas très compliqué. Faut que ça parte dans tous les sens. Je vais vous montrer mon pinceau parce qu'au cas où vous auriez envie de recréer des veines, je trouve qu'il est hyper bien. Ouais, c'est vraiment hyper fin. Et vous verrez à la fin ce que ça donne les veines, mais... C'est moche mon maquillage. L'année dernière, j'en ai fait un, c'était trop beau. Bah là ça va, hein. Moi j'aime bien. Pourquoi t'as regardé ça? Parce que j'avais pas compris ce que c'était. Ah ça fait peur! Là, les veines, c'est pas beau hein. Ouais, la dernière j'en ai fait un, il était mieux. C'est pas grave. Alors, un truc que beaucoup de gens oublient, les veines ça va pas juste en bas. Moi j'en fais aussi sur la paupière parce que quand vous êtes démaquillé, c'est-à-dire votre peau naturelle, vous avez des vaisseaux sanguins qu'on voit sur les paupières. Donc quand t'es maquillé avec des veines, sur les paupières, c'est censé ressortir. Donc j'en fais aussi sur les paupières. Alors moi, c'est un maquillage rapide. On se prend pas la tête, on badigeonne. Elle, voilà. C'est un petit peu plus travaillé. Enfin, travailler, c'est pas travailler, c'est un peu plus long à faire parce qu'il y a plus de trucs, mais... Après, vous pouvez rajouter d'autres choses, hein, mais moi j'ai pas envie de faire... Un squelette, c'est pas censé pisser le sang, hein, mais vous pouvez faire saigner quelque part. Le pinceau sauteur Anastasia Beverly, ah, c'est oui. De retour, si vous avez vu l'autre vidéo. Maintenant, je passe à ma bouche. Après du coup je rajoute un peu de détails rouges pour les veines avec un rouge à lèvres parce qu'on n'a pas de peinture du coup. Je vais prendre un fard violâtre un peu rouge que je vais mettre vraiment que sur le contour de mes lèvres.
Je vais prendre cette palette que j'avais achetée il y a pas mal de temps, je crois que c'était chez Monoprix. Mais il y a plein de couleurs et les fards sont assez bien. Il y en a qui sont nuls, hein, mais il y en a qui sont pas mal. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je vais prendre un espèce de bordeaux mais qui va plutôt aller vers les tons violets. Je sais pas si on voit ma bouche à la caméra. T'as pas envie. Toi? Ouais. Non, c'est moi, c'est trop moche. Mais moi aussi c'est moche. Enfin, ma peau c'est un désastre. Mais là je vais faire la morsure et je pense que ça va jouer un grand rôle, la morsure quand même. Alors où est-ce que je me suis fait mordre? Je vais me faire mordre ici. Et voilà. Moi c'est un squelette tout bête. Un squelette moche mais hein, quand vos amis savent pas trop se maquiller et tout, ça passe crème. Enfin, moi je l'attends. Moi ça rend pas comme je voulais. Tournage Halloween. Mon étape préférée. Le sang. Je prends un peu de rouge sur mon doigt et je vais mettre que sur l'intérieur de mes lèvres. Je crois que j'ai fini, c'est pas du tout ce que je voulais. C'était vraiment un make-up expérimental. Ah, c'était vraiment expérimental parce que là c'est raté je trouve. Du coup dernière étape. Dernière étape, enfin le final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je suis infectée, je vais devenir un zombie et elle, c'est un squelette. Un squelette. Elle en fait un squelette zombie, on sait pas. Ça fait longtemps qu'elle a perdu l'étape du zombie, elle est en train de mourir. Mes os sont en train de mourir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les thumbs up. Et s'il vous plaît, thumbs up et abonnez-vous parce que si vous saviez à quel point j'ai pleuré pour mettre ces lentilles. Mets mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Et Et happy Halloween. Happy Halloween, I'm so excited. Et peut-être qu'on se reverra avec ces lentilles. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et happy Halloween à tous. Happy Halloween.